Hey, salut à tous et à toutes, c'est Ichio, on se retrouve pour l'épisode numéro 13 du Let's Play Naruto Shippuden Jimin Gerson 4. Donc on va commencer avec l'ultime bataille. Donc en côté Sasuke, Taka prend son essor et celui qu'on appelle Kabuto, on commence par cela. Le prochain épisode, on verra pour celui-là le meilleur bien sûr pour la pour le bon pour le prochain. Donc on va commencer par Sasuke, on commence tout de suite, c'est parti, je vous laisse regarder la cinématique comme d'habitude. Bien sûr, un épisode très riche en émotions, hein. Mais pour ça, il faut que je vous laisse regarder. On commence de suite en train de nous battre contre donc Tobi avec Orochimaru hein. Avec encore un Hokage hein, donc le troisième Hokage. On s'y attend vraiment pas on va dire une... qui soit pour Orochimaru, c'est vraiment bizarre hein, parce que normalement ce qu'il compte, même si c'est le sensei de Orochimaru, ce qui devrait être normal en fait. J'ai vu tous les horreurs qu'il a fait Orochimaru, c'est normal que... Ah, enfin bref. Ah bah je l'ai eu. Un épisode assez spécial, hein, je trouve, on s'approche de la fin. Les combats sont de plus en plus épiques. Bon, certes, je répète assez souvent que ce soit épique, mais là, on va dire que c'est la base. Ces épisodes ne sont pas encore sortis en France, sont en train de sortir. Donc, du coup, ça commence à vraiment devenir un peu impressionnant pour ceux qui n'ont pas vu encore les épisodes d'anime. Bah, je l'ai eu déjà. Bah, il aura été assez long, assez rapide, pardon. Putain, long, je. Et que c'est pas reconnaître long et rapide. Je vous laisse regarder la fin de la cinématique. Ce sera un let's play assez rapide de cette partie. Elle devrait pas durer longtemps. Mais c'est surtout pour se préparer pour l'autre partie qui vraiment demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et un peu plus de concentration. Kabuto en train de sauver Sasuke. Normal. Sasuke-kun を感知してみなさい。 感じ、つっても、アイス。サスケのチャクラを感じる。なんで？僕はもう今までの僕じゃない。サスケ君に危害を加える気もない。じゃあ、カブト、あんたがサスケを？そう。僕の医療忍術と研究し尽くした柱間細胞を使って。 彼は一命をどうにか取り留めたんだ。サスケ、よかった。しかしカブト、あなたがここにいるということは、イタチのイザナミの術を解いたってことだけど。そうです。僕は自分を認めず、何者かもわからないでいた。でもイタチはイザナミを使って僕に気づかせてくれた。 僕は他でもない、カブトなんだと。イタチは君を死んでも守りたいと願っていた。その願いを決して無駄にはしない。そしてそれが今の僕の願いなんだ。
Et ben voilà, donc peut-être comme vous en doutiez, est-ce que vous pensez que Sasuke va revivre ou pas? Vous en saurez plus, bien sûr, sur le prochain, niveau. Donc celui-ci, ou bien sûr c'est, ben non, on n'en saura pas plus. On verra s'il est en vie Sasuke dans le prochain. Donc on va continuer avec ce combat finalement interminable de Kabuto contre Itachi. Je vous laisse bien sûr regarder encore la cinématique. Donc c'est des petits, vraiment petits épisodes, cette partie-là. C'est pour en gros se faire une petite pause, on va dire, parce que le lourd nous attend.決して抜け出すことはできない。過ちを認めるまで永遠に同じ出来事をループすることになるのよ。僕はずっと間違っていた。自分以外の何かになり変わることで何でもなせると妄信していた。でもそれが過ちであることをイタチは教えてくれた。 己の失敗に怯え、それを認めることから逃げているだけだと。だからといって、すぐに認められるわけがない。何度も、何度も、何度もループを繰り返した。僕こそが完璧なんだ。わからないのか？お前は決して 完璧ではない。Donc on va revivre ce moment dont Kabuto je pense toujours, je pense. Ça a dû durer vraiment des éternités. Je vais juste baisser le son. J'ai mis deux morceaux. C'est un peu fort. Voilà, ça c'est fait. Où est l'attaque spéciale de Kabuto? Mais franchement, il est pas mauvais hein, dans Kabuto dans cette forme là. Mais le problème c'est que. Je le préférais avant quoi, Kabuto, genre en gentil ou là, c'est vrai comme ça, il est vraiment, pour moi il me plaît pas du tout. Du tout. Voilà, c'était la vie. Ah, j'ai encore une. C'était mon avis inutile. Je vais essayer de vous montrer la technique secrète. Enfin... On va essayer de voir. Je vais essayer de vous le choper. Ah non! Comme ça, vous voyez la scène secrète. Enfin, comme ça, ça s'arrête. Voilà, c'est bon. Comme ça, vous allez voir la scène secrète. Il était dans une illusion et finalement il n'arrêtait pas de revivre tous les moments, enfin de refaire, sauf que lui il s'est fatigué, mais vu que Itachi c'était une illusion, et finalement il se fatiguait pas donc il comprenait rien, le pauvre Kabuto, il était désespéré. Maintenant vous allez voir comment il s'est défait de cette illusion. お前は決して完璧ではない。完璧である僕が僕なら、完璧でない僕は僕ではない。じゃあ、今の僕は何だ？何度もループするにつれ、僕の精神は摩耗していた。考えがまとまらず、自信も消えうせ。わからない。 僕は
体の中から消えていくようだった。だけどどうしても消えない記憶があったんだ。それは幼い僕に本当の安らぎを与えてくれた記憶だった。あの時あの場所で僕は確かに兜として存在していた。どんなに姿形が変わってもあの時の記憶は変わらない。そして名前も変わることはない。僕は僕のままで、ずっと昔から兜のままだった。そんな単純なことが僕は分からなくなって、そして自分に他人を上塗りしていたんだ。それがやっと分かった時、そこで解放されたというわけで。そう。いい風じゃない。Lui trouve ça merveilleux et tout. Lui s'en fout. Lui il a survécu. À chaque fois il survit celui-là. Il mourra jamais celui-là. Il est vraiment indestructible celui-là. Vraiment. Vraiment. Je respecte pas du tout, mais franchement, respect quand même pour survivre tout le temps. De toute façon, avec lui, on pourra jamais s'en séparer. Voilà, c'est la fin du Let's Play partie 13 de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. On se retrouve pour cette partie là, où il y aura Gaï. À la prochaine tous, merci encore à tous de me suivre. Ciao.